Mes chers amis, bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des réticulocytoses. Une réticulocytose se définit par un taux de réticulocytes supérieur à 120 000 par millimètre cube. Cette dernière traduit une hyper-régénération des globules rouges par la moelle osseuse. Les causes de la réticulocytose sont dominées par deux grandes étiologies. Premièrement, les hyperhémolyses. Et deuxièmement, les hémorragies foudroyantes et abondantes. Je rappelle que les hémorragies de faible abondance n'entraînent pas de réticulocytose. Dans ces deux étiologies, l'hyperréticulocytose peut être légèrement retardée par rapport à l'épisode hémorragique ou hémolytique. Des crises réticulocytaires peuvent se voir lors des tests thérapeutiques de certaines anémies arégénératives. Par exemple, une anémie ferriprive qui est microcytaire hypochrome arégénérative, lorsqu'elle est traitée par du fer, une crise réticulocytaire est observée au 7e jour. Une carence en vitamine B12 traitée par de la cyanocobalamine, la crise réticulocytaire est observée dans les environs du 5e jour.